Allô tout le monde et bienvenue au Vlogmas jour 10. On est rendu déjà l'après-midi, il arrive 2h je crois. J'avais un cours ce matin puis hier j'ai dormi chez mes cousines, fait que c'est pour ça que j'ai pas vlogué ce matin. On est parti un petit peu à la va-vite parce que les deux, ben qu'elle avait de l'école, elle s'en allait à l'école. On a vraiment pas beaucoup dormi cette nuit. Fait que ouais. Fait que en tout cas, moi je me suis réveillée un petit peu en retard là. J'avais pas déjeuné rien, fait que j'ai mangé un croissant à l'école. Là je viens d'aller au dépanneur, puis ils ont des sandwichs comme dans un pain baguette là, vegan, puis j'ai jamais goûté. D'habitude il y avait les végétariens des fois. Ben, souvent j'y vais quand même plus tard. Mais c'est avec de l'aubergine puis de la courgette, j'aime pas ça. Mais là, le vegan c'est de l'houmous puis des légumes. Fait que ça risque d'être meilleur. Là je suis censée de recevoir ma commande de Sephora aujourd'hui. Fait que je vais aller voir si c'est arrivé. Mais c'est un papier de toute façon parce que ça rentre pas dans la boîte postale, mais whatever. Puis celle de la Senza, je suis censée recevoir le 12. J'avais comme peur là, parce que il y a vraiment des retards avec Post Canada. Fait que j'avais peur que ça arrive pendant que moi j'allais être partie. Il reste pas beaucoup de temps genre avant que je parte. La vie en rose, on l'a fait livrer aux îles, fait que pour ça, il n'y a pas de problème. On a fait une commande Amazon aussi, mais ça va être livré aux îles. Puis moi, il y a juste. J'ai juste des épices. C'est pas important, là, mais il y a comme des cadeaux aussi. Ah, j'ai mal au bras de tenir mon petit téléphone, tu sais. J'aimerais ça peut-être changer ma caméra. Je sais pas si vous avez comme une caméra à me suggérer qui est pas avec une lentille. J'ai vu un nouveau modèle qui est genre parfait pour les vlogueurs, que ça m'advertisait sur Facebook. Fait, je pense que mon Facebook m'a bien cerné, mais je m'en rappelle plus c'était quoi le modèle, mais c'était comme un petit appareil photo, mais qui filmait super bien. Fait que je vais checker ça, mais je saurais pas à quel prix vendre mon appareil, genre. Parce que je l'avais payé cher, mais ça fait quand même, ben cher, genre 800 peut-être, je sais pas. Mais ça fait quand même un petit moment. Mais il est encore en très bon état, fait que je sais pas c'est quoi la valeur. Whatever, pourquoi je parle de ça? Fait que là, bref, je m'en vais manger. Puis après, je retourne rejoindre Pascal encore une fois. On va pas chez elle, on est censé d'aller dans un café aujourd'hui parce qu'on doit tous les deux étudier dans nos matières respectives. Fait que c'est ça le plan de la journée. Hier, j'avais pas ouvert mes calendriers de l'Avent avant de partir vu que j'étais tellement dernière minute. Fait que je vais pouvoir ouvrir deux cases aujourd'hui. Puis je voulais vous montrer aussi, avant d'oublier, le livre que je disais que j'avais acheté avec des recettes de Noël. Ça s'appelle Holiday Cookies. C'est The Taste of Home. C'est vraiment nice. Il y a genre plein de biscuits, mais il y a aussi comme des brioches, plein de desserts de Noël pour Noël. Il y en a pour tous les goûts, des petits biscottis, tellement plein d'affaires à la canne, de bonbons, au chocolat, des petits carrés, des petites truffes, des affaires. Enfin, c'est tout en anglais, là. Si vous comprenez bien l'anglais, il va falloir que je traduise tout à ma mère, là. Mais, mais de toute façon, c'est plus moi qui veux cuisiner parce qu'elle va travailler quand même. Checker les beaux pains d'épices. En tout cas, fait que il était quand même cher, je pense. C'était 12,99 $. Mais je trouvais que ça valait vraiment la peine. Puis je vais le garder pour les prochaines années. Puis il y a tellement de recettes pour de vrai. Je ne les ai pas comptées, mais il y en a une tonne. Fait que voilà pour ça. Ah, l'autre fois, j'avais mangé des réglisses. Puis il y en reste quelques-unes. Ok, fait qu'on va commencer par le calendrier de Lynn, tu sais, pour me réconforter de mon fil de hier que mes. Pourquoi je suis pas centrée? Ok. Que mes chocolats étaient déjà au bord. Puis en passant à mon lit, là, je mets tout le temps. Je le fais pas à chaque jour. Puis là, en plus, mon couvre-lit, il est vraiment trop chaud parce que dans mon appartement, c'est vraiment très chauffé. Genre, j'ouvre la fenêtre, là, souvent, là. Puis c'est pas moi qui contrôle le chauffage, c'est genre quelqu'un qui le contrôle pour tout l'immeuble. Fait qu'il fait excessivement chaud. Fait que je m'abrite juste avec mon petit drap durant la nuit. J'ai même pas besoin de ma grosse couverture. Puis en tout cas, fait que je la mets au fond là. Puis j'ai pas tout le temps de la ramener parce qu'en plus, c'est comme une douillette dans un couvre-douillette. Fait que là, ça tombe tout le temps au fond. En tout cas, c'est vraiment mal fait. Là, je la trouve belle, mais vraiment, là, structure, je sais pas. Je suis pas. Vraiment satisfaite de la qualité, tu sais. Fait que là, hier, on était le 9, c'est dans le haut ici. Jusqu'à là, moi, j'ai juste comme des petites boules, là, puis mes cousines, eux, ils ont la version de chez Costco, puis eux, quand c'est des petites boules, il y en a deux. Ou sinon, c'est comme une grosse truffe,
ou bien tu sais, des affaires plus gros. Fait que les années prochaines, j'en prendrai chez Costco. Il y avait une de mes amies en plus qui m'avait dit je peux te l'emmener si tu veux, mais j'aimais pas le design, là. C'était comme celui du Canadien de Montréal. Puis j'aime bien le Canadien, mais je sais pas, je trouvais ça qui est terne. Puis aussi, il fait tellement chaud que checker, je sors mes truffes, là, puis ils sont tous en train de fondre. Je pense que je vais les remettre au frigo avant de les manger. C'est à quel point il fait chaud, là, genre, j'exagère pas, là. J'ai ça en ce moment sur moi parce que je vais ressortir dans pas long, là. Mais sinon, je m'habille presque pas parce que on crève. Fait que ça, c'est une autre petite boule. Mais c'est des saveurs différentes, je pense. Hier, c'était une rouge, fait que c'est une mini boule au lait. Puis celle-là, c'est aussi une mini boule au lait. Bon, parce qu'il y a aussi mini boule crème noisette. Puis il y a deux Teddy. Mais ça, je sais pas, je vais les avoir quand je sais pas eu encore. Sûrement dans les dernières journées. Puis j'ai eu des petits napolitains. Comme ça. Mais moi, pour de vrai, c'est pas genre la quantité de chocolat ou quoi que ce soit qui m'importe. C'est vraiment juste j'aime ça ouvrir les petites cases. Parce que, ouais. Même si c'est pour rentable au chocolat, je m'en fous. C'est juste pour pouvoir avoir une case à ouvrir. Ok. Fait que là, dans l'Occitane. Jusqu'à date, j'aime vraiment. J'aurais pu acheter le. Je regrette quand même un peu de ne pas avoir acheté la plus grosse version prestige, de luxe, whatever. Mais c'était quand même vraiment plus cher. J'aurais pu avoir un rabais genre de 20$ parce qu'il y avait un code promo à ce temps-là, mais il m'aurait quand même coûté plus cher. Mais j'ai l'impression que comme des produits plus gros, en tout cas, j'ai regardé dans le vlog d'Eve Martel, puis les produits étaient plus gros que le mien. Puis il y a aussi comme des trucs exclusifs que moi j'avais pas, je pense qu'il y a comme des parfums pis des trucs de même. Mais mon baume à lèvres, là, il m'est de très grande utilité. Hier, j'avais les lèvres tellement qu'ils me faisaient mal parce que sont super sèches, puis ça faisait deux soirs de suite que je mangeais de quelque chose d'épicé. T'sais, hier, j'ai mangé des trucs avec des jalapenos, fait que ça me faisait tellement mal, ça avait pas de bon sens. Je pensais que j'avais pas de baume à lèvres, mais finalement, j'avais le petit de l'Occitane dans mon sac à dos parce que je transporte tout le temps de sac à dos à sacoche quand je travaille versus quand je vais à l'école. Fait que des fois, j'oublie des choses dans l'un ou l'autre. Pis là, ben, j'étais contente d'avoir ça. Fait que là, celle-ci, c'est une crème confort légère. Ça va être parfait pour mon type de peau parce que les affaires riches, c'est comme trop nutritif pour moi. Mais j'ai quand même la peau qui est déshydratée ces temps-ci. Pis c'est avec du beurre de karité à 5%. Fait que je vais la tester. Ça, c'est une crème visage. J'aime bien la crème corps, là. J'ai commencé à la tester. Je voulais l'emmener en voyage aux îles. Mais finalement, j'ai commencé à la tester déjà. J'aime juste pas full l'odeur. T'sais, ça reste pas vraiment longtemps, mais... quand même, quand je le mets, on dirait que je le sens puis ça me fatigue. Ça sent pas full bon, mais je pense que c'est le beurre de karité qui sent de même. Dans la case numéro 10, et dans le bas ici, elle doit être une grosse case. J'ai hâte de voir. C'est la crème pour le corps, mais cette fois-ci dans l'odeur amande. Fait que c'est vraiment l'odeur classique, là. Je pense que c'est ce qui est le plus populaire avec peut-être lavande aussi. Mais amande, c'est content qu'il n'y a pas d'autre compagnie qui fait ça, je trouve. Fait que c'est la version, c'est ça, pour crème pour le corps. Fait que décidément, c'est celle-là que je vais emmener dans mes valises. Je sais pas si j'en aurai assez pour 3 semaines. Bon, je vous dévoile combien de temps je m'en vais. Je m'en vais 3 semaines. Mais bon, au pire, ma mère, elle en a de la crème, là, si j'en manque. J'en mets jamais de toute façon de la crème sur mon corps, mais j'essaye de prendre comme résolution de plus me crêmer le corps parce que ça vieillit, ça, avec le temps. Puis plus que tu crèmes, plus que tu fais de la prévention pour pas... être toute ridée et flasque et déshydratée de partout. Faut prendre ça à la légère en passant. J'insulte pas personne, le mode de vie de personne. Parce que moi, je sais pas. C'est le fun en plus de cramer. C'est juste que des fois, genre, ça me colle dessus. Ça dépend vraiment des textures. Bref, tant de blabla pour rien. Je suis bonne là-dedans, moi, pour parler de choses qui n'ont pas d'importance. Fait que dans la case 9, c'est écrit bonne journée, fait que j'ai pas gagné. Mais c'est quand même une belle attention, merci, l'Auto-Québec. Puis dans la case 10, c'est une qui est grosse, fait que ça doit être sûrement quelque chose qu'il faut trouver trois fois le même montant. Ouais. 15, 25, 25, 250, 10, non, j'ai pas gagné. Ça aurait été cool 25, comme ça j'aurais pu avoir un pas pire petit montant. J'avais pensé, je pense que j'avais gagné 15 ou 20 en tout, là. Fait que ça avait comme remboursé le prix de mon calendrier. J'étais contente. Fait que voilà, je commence à avoir pas mal de petits produits L'Occitane. Mais ça que je trouvais le fun, c'est que c'est des produits genre en format, tu sais, pour emmener en voyage. C'est pas juste des mini échantillons, genre des petits sachets, là. Ça aurait été fatigant. Il y a des calendriers d'avant, je sais qu'ils sont vraiment décevants parce que c'est dans des mini formats. Mais eux, moi, je trouve que c'est bien décent, là, pour le prix payé.
tu sais, considérant que c'est quand même une compagnie de luxe puis que leurs produits sont chers, là, le macre à ma main, c'était autour de genre 25$, je pense. Mais ça, je vous l'avais déjà dit, ça. Bon. Fait que je vais aller manger mon sandwich. Ah, ben, je vais vous le montrer. Attendez, on va aller. On va aller voir dans mon sac ensemble. Parce que j'ai tout emmené dans mon sac de Walmart, là, vu que hier, j'ai dormi chez mes cousines. J'avais encore mes choses de Walmart avec moi. J'ai pris un petit sac de Cheetos Puff. Oups. J'ai pris le fameux sandwich vegan que je vous disais. Fait que les ingrédients, c'est hummus, chou rouge, oignon, concombre, laitue, poivron rouge. Fait que ça va être à peu près. Puis le pain, il y a de l'air frais. Puis ils font directement là-bas. Puis, dernièrement, un petit jus punch aux fruits. J'aime vraiment ça, le punch aux fruits, si vous avez remarqué. Puis je m'en permets pas souvent, mais là, on dirait que ces temps-ci... Tu sais, l'autre fois, j'ai acheté le gros fruité, puis là, j'ai acheté ça. Fait que je vais manger. Je vous reparle après. Je sais que t'as surpris. Est-ce qu'il y a vraiment des bonbons dedans? Il y a des bonbons dedans. C'est beau! Oh mon Dieu! Vas-tu la mettre dans ton sapin? Ben, c'est sûr que... Moi, c'est que ma mère, elle aime trop des sapins vraiment, vraiment beaux, fait qu'elle met pas des affaires de même dedans. Ma mère, elle a un peu chaud. 3 ans et plus. Oui, c'est ça. J'ai c'est pour notre tranche d'âge. Puis checker pour la petite fille à qui on a pris la montre, là. J'ai trouvé ça aussi pour ranger les choses dedans. J'ai des dents quittées. J'ai hâte de voir c'est quoi les bonbons. Oh, c'est bien. Rempli de bonbons. Il y avait plein d'affaires de Frozen. Il y avait un réveil matin, puis genre, sorte d'affaires de bonbons. Un petit toutou Olaf. Oh. J'ai failli prendre ça. Wow! Des petits bonbons. On dirait des vitamines qui arrachent. Oui, j'en veux. Oh! Bon, on va aller commander du café. Non, mais quelle drôle de journée. Genre, je vous avais pas donné de nouvelles parce que j'étais partie étudier avec Pascal. Puis je me suis fait appeler à 5h20 pour me dire « Annabelle, travailler à 5h, savais-tu pas? » Fait que je savais aucunement. Fait que je suis rentrée à 6h finalement parce que j'étais loin puis tout. Fait que j'étais travailler jusqu'à 10. Puis là, j'avais faim. Fait que j'étais allée au dépendant. Puis il y avait de la bûche. Fait que... je me garde avec une bûche. J'ai hâte de découvrir s'ils ont livré ma commande Sephora aujourd'hui puis que j'étais pas là, genre mon papier. Comme je vous disais tout ça tantôt, je pense. Je suis toute perdue parce que la journée était trop weird. J'ai fait trop de choses aujourd'hui. Genre, je me suis trop promenée. Puis j'étais aussi à la recherche de trucs de pour mettre dans le sapin à ma mère. Là, elle voulait quelque chose. En tout cas, fait que j'ai fait plein de magasins. Puis je sais pas trouvé qu'est-ce qu'elle voulait. Fait que, ouais. D'ailleurs, un heads up, si vous voyez genre des gros flocons de neige blanc pour mettre dans un arbre, dites-moi à quel magasin. Parce qu'on cherche ça. Absolument. Fait que, ouais. Fait que, je vous reparle le rendu chez nous. La qualité va être meilleure de toute façon. Un autre travail d'équipe de terminé. Fait que c'est un autre cours qui est fini. Puis, assez. Vraiment forcé la fille qui a fait la mise en page. Très joli tout cela. Voilà. Je vais remettre ça demain. Ah, oh, checker, je suis là. Coucou. Mes parents m'ont pris un abonnement à Bell Téléfibre. Fait que j'ai juste d'aller voir pour la première fois à quoi ça ressemble. Moi, mon seul souhait, là, c'est de pouvoir écouter Ricardo. Fait que j'espère qu'il va voir Ricardo. Oh my god, il y a un spé presque parfait. Je vais pouvoir aller voir Chloé de Blois qui était là cette semaine. Ah, le grincheux, les bonhommes animés. Genre, after. C'est ça parce que j'ai support écran. Genre, ah, oh, ça va être cool. Puis je peux mettre aussi une application sur mon téléphone. Je vous dirais si j'aime ça finalement, mais je pense que je vais bien aimer les petits films de Noël. Ah, c'est vraiment le fun. Bon. Est-ce qu'il y a Ricardo, par exemple? Ricardo. Oups. J'ai oublié le A, là, mais... peut-être pas, hein. Peut-être que lui, c'est juste sur le... ah oui! Oh, phew! J'ai eu peur. C'est genre là, mon émission préférée au monde. Omelette soufflée. Wow! Bon. Je suis très satisfaite jusqu'à présent. Fait que je m'excuse pour le contenu d'aujourd'hui. On dirait qu'une journée sur deux, genre c'est super long. L'autre journée, j'ai rien à filmer parce que je fais des choses qu'il faut que j'avance puis que je peux pas filmer. Mais comme je vous dis, quand je vais être en vacances, puis là, je suis vraiment pas si loin de mes vacances, tout ça va être vraiment mieux. Mais là... il est rendu tard, puis là, je regardais des vidéos, je regardais un super presque parfait avec Chloé de Blois, que j'aime vraiment, l'instagrammeuse, que je trouve vraiment drôle. Oui, elle a passé à un super presque parfait cette semaine.
Fait que j'écoutais ça sur mon nouveau Alt Télé. J'en ai parlé dans le clip d'avant. Bref. Je voulais juste vous dire bye. Encore aujourd'hui, j'ai comme rien fait de tellement Noël aujourd'hui, là, à part la... Ah oui, j'ai mangé de la bûche, j'ai acheté une bûche. Puis j'ai reçu finalement mon petit papier pour aller chercher mon colis de Sephora. Fait que demain, je vais aller le chercher, je sais pas encore à quelle heure. Parce que là, demain, il faut que j'aille porter un travail qu'on a fini, de ce que je vous ai montré. Il faut que j'aille faire imprimer, puis j'aille le porter. Puis j'ai un examen le soir, parce que le matin, mon cours est annulé parce qu'il y a un examen samedi. Sinon, c'est trop tard de cours. Bref, j'ai pas de cours demain avant midi, mais en soirée. C'est un examen qui me stresse quand même beaucoup. C'est mon examen de gestion de projet. Puis, premier examen, j'ai vraiment eu une bonne note. On devrait vraiment aller plus haut que mes attentes. Là. Je comprenais pas comment j'avais eu une si bonne note, mais comme il faut que ça continue là, parce que je veux que ce cours-là, tant qu'elle soit gardée ma bonne moyenne, tu sais. Ben, au moins passer, parce que vu que c'est un cours de l'école de gestion de l'UQAM, le SG, il y a comme le double CE, donc il faut avoir au moins 60% dans la catégorie individuelle, donc les travaux tu fais tout seul, les examens, puis d'autres travaux aussi, puis 60% aussi dans les trucs en groupe qui étaient en équipe, là, fait que... Bref, c'est pour s'assurer que c'est pas genre l'équipe qui est bonne versus toi qui est pas bon. Là. Genre, je comprends le principe, mais ça rajoute vraiment un stress, je trouve, en tout cas. Ouais. Mais c'est-tu le double seuil? Quand est-ce qu'on appelle ça double seuil? Bref. On dirait que plus la journée avance, plus que je suis malade, là, je tousse comme une... Je sais pas c'est quoi l'adjectif que je pourrais dire, mais j'arrête pas de tousser. J'étais avec à me faire vomir tellement je tousse beaucoup, en tout cas. Je suis pas tombée aussi malade que ce que j'avais peur, mettons, de comment cet automne, comment j'étais malade, ça avait pas d'allure, là. Peut-être que ma vitamine C a aidé, mais hier puis aujourd'hui, j'en ai pas bu, fait que là, peut-être que je devrais prendre un petit cocktail de vitamine C avant de me coucher pour être sûre de renforcer mes anticorps. Je sais même pas trop à quoi ça sert, comme je vous ai dit, ils sont juste là en passant, juste à côté de tout. Je vais peut-être me faire une petite boisson effervescente, pour d'ici que je me couche. Mais bref, cette conclusion était beaucoup trop longue, donc on se reparle demain.